Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission À l'origine, Bereshit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand personnage biblique. Il s'agit de Moïse, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir le grand rabbin Olivier Kaufmann, rabbin de la synagogue de la place des Vosges et directeur du séminaire israélite de France. Olivier Kaufmann, bonjour. Bonjour. Qui était Moïse ? Alors Moïse, bien évidemment, il est le personnage central dans la religion juive, puisqu'il est qualifié de Av Lanvim, le père de tous les prophètes. Et même s'il est vrai qu'il reste un prophète humain et qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu dans la chair humaine, il a un rôle à part parce que c'est le premier à être qualifié de Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. C'est-à-dire qu'avant nous avons les ancêtres, les patriarches et les matriarches, mais qui n'ont pas vocation à légiférer, qui n'ont pas vocation à enfanter la loi, cette loi divine, mais ils ont enfanté bien évidemment les 12 tribus d'Israël. Moïse est donc à part parce qu'il est le libérateur, il est celui dont on parle à la fête, durant la fête de Pessah, même s'il n'est pas mentionné dans le fameux livre que nous lisons lors de la soirée pascale. Moïse, c'est donc celui qui va accompagner, je dirais, la naissance du peuple d'Israël en Égypte, la transhumance du peuple d'Israël dans le désert. Et bien évidemment, nous le verrons plus tard, c'est là où le bât blesse, c'est qu'il ne l'accompagnera pas en terre d'Israël. Mais c'est un accompagnateur, c'est le pédagogue. Alors, vous l'avez souligné au tout début, à savoir que Moïse n'est pas le fils de Dieu. La Torah met en exergue le fait qu'il avait un père, une mère, et on nous les raconte. Vous pouvez nous dire un petit mot sur tout cela ? Alors, le début du livre de l'Exode commence de manière très elliptique, parce que les noms des parents, ou plutôt les prénoms des parents de Moïse, n'apparaissent pas. On nous dit qu'il y a un homme de la tribu de Lévi et une femme de la tribu de Lévi qui se marie et qui donne naissance notamment à Moïse. Voilà, à Moïse. Et donc, on a toujours une difficulté avec ce début de texte. D'abord, je voudrais quand même préciser qu'on l'appelle le livre de l'Exode, mais le livre en hébreu signifie le livre des noms. Et pour Shemot. Shemot. Et pour Nachmanide, grand rabbin espagnol, célèbre exégète, Nachmanide dit qu'en fait, le livre de Shemot est le prolongement et le parachèvement du livre de Bereshit. En somme, Bereshit serait donc le livre de la création du monde adamique, avec une lumière qui apparaîtrait au début donc, du livre de la Genèse, et puis nous aurions une nouvelle lumière à travers l'arrivée de Moïse, qui viendrait donc sortir de l'exil, puisque je vous rappelle que dans l'exégèse biblique, la nuit rappelle l'exil, l'opacité de l'exil, le tâtonnement de l'exil. Et donc on est vraiment au centre de la problématique juive. Comment parachever le monde? Comment faire le lien entre le particularisme et l'universalisme? Et donc Moïse est au centre. Alors Moïse, pourquoi je parlais de lumière? Parce que c'est intéressant, quand il naît, le texte biblique nous dit que la mère a vu que l'enfant était beau. Tov. Tov. Sauf que Tov, littéralement, signifie pas beau, même si on l'a dans la traduction de la Bible du rabbinat, c'est bon. Tout de suite, quand on voit le mot Tov, on l'associe à la lumière du livre de la Genèse, où là, le texte biblique dit que Dieu a vu que la lumière était bonne, Tov. Voyar Elohim. Voilà. Voilà, et la lumière fut. Et donc en fait, c'est intéressant de voir que Moïse va faire l'accompagnement à tâtonnement progressif, hein, et ça aussi j'insiste sur cette progressivité, on le verra tout à l'heure devant le buisson ardent, il y a une progressivité qui fait qu'on passe vraiment par palier de l'obscurité à la lumière. Voilà, souvent les rabbins disent, voilà, quelqu'un qui a été longtemps dans l'obscurité, on ne peut pas tout de suite le confronter à la lumière ambiante. Il faut l'acclimater. Le réadapter. Voilà, le réadapter. Et donc, ce Moïse-là, dès la naissance, a déjà en lui les potentialités de cette lumière qu'il incarne. Et donc, le Midrash dit que quand Moïse est né, ben, la lumière retourna dans la maison de ses parents. Et cette lumière, elle avait été quelque peu altérée, abîmée, par la décision de séparation. C'est-à-dire que le père, Amram, se sépare de la mère Yocheved. Il y a un retour de lumière qui passe par, je dirais, le retour à une vie conjugale qui avait été menacée par le fameux décret scélérat de Pharaon qui avait demandé qu'on jette dans le Nil tous les garçons hébreux. Pour les traditions juives et chrétiennes, il est l'auteur sous inspiration divine des 5 premiers livres de la Bible. Il y apparaît comme le prophète et le guide qui conduit le peuple hébreu hors d'Égypte.
Selon ces traditions, c'est sous la dictée de Dieu que Moïse écrit le Décalogue ainsi que tout un ensemble de lois. Les rabbins lui attribuent également la Torah orale. Moïse est le personnage le plus cité dans l'ensemble des textes bibliques. Il préfigure Jésus-Christ pour le christianisme et précède le prophète Mahomet pour l'islam, sous le nom de Moussa. La vie de Moïse peut être séparée en trois périodes de 40 ans. Le nombre 120, valeur mythique, étant symbole de perfection. Pendant la première période, Moïse apparaît pour la première fois dans le livre de l'Exode. Ses parents, Amram et Yocheved, ils sont de la première génération des Hébreux qui naissent en Égypte. Sa mère ne lui donne curieusement pas de nom. Le récit ne fait d'abord mention que de l'enfant. Pharaon ayant décidé le meurtre des enfants hébreux mâles, sa fille Bithia découvre sur la rive du fleuve un panier d'osier dans lequel flotte un nourrisson qu'elle nomme Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Un célèbre commentaire biblique raconte qu'un jour Moïse, jouant sur les genoux du Pharaon, lui dérobe sa couronne. Y voyant un mauvais présage, les mages suggèrent la mise à mort immédiate de l'enfant. Cependant, Jéthro, prêtre de Madian, propose de le mettre à l'épreuve et fait placer Moïse devant un plateau de diamants et de braises ardentes. Moïse se précipite vers le plateau de diamants, mais trébuche vers les braises. Il se brûle la langue et les lèvres. C'est de là que viendrait son bégaiement. Son frère Aaron lui sera associé comme porte-parole. Devenu adulte, Moïse se rend compte des difficiles conditions de vie de ses frères de sang. Voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il le tue et l'enterre dans le sable. L'affaire s'ébruite et il s'enfuit d'Égypte. La Bible décrit alors la seconde partie de sa vie. Il trouve asile à Madian, où Jéthro lui donne sa fille Séphora en mariage. Il a deux fils, Gershom et Eliezer. Élevé comme un prince d'Égypte, il est maintenant berger. Moïse atteint l'âge de 80 ans. Dieu se révèle à lui depuis l'intérieur d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Il lui donne pour mission de libérer le peuple hébreu de l'esclavage qu'il subit en Égypte. Ainsi, Moïse et Aaron tentent de persuader le Pharaon de laisser les Hébreux quitter l'Égypte en le menaçant de terribles fléaux dans le cas contraire qui à chaque fois vont se réaliser. Les eaux du Nil deviennent sang, les grenouilles envahissent l'Égypte, les mouches et les moustiques attaquent la population, la vermine apparaît, une épidémie de peste attaque le bétail. Les habitants attrapent des furoncles, la grêle détruit les récoltes, les sauterelles dévorent la végétation, les ténèbres règnent pendant 3 jours, les premiers-nés égyptiens meurent durant la nuit. Les Hébreux partent, ils traversent la mer des joncs à pied sec. Celle-ci se referme sur l'armée égyptienne, tentant de les rattraper et les engloutit. Moïse conduit son peuple au pied du mont Sinaï, où il reçoit alors les tables de la loi. La troisième partie de sa vie commence. Après une longue traversée du désert, le peuple arrive devant la terre promise et Moïse envoie 12 éclaireurs pour reconnaître le pays. 10 d'entre eux découragent le peuple d'attaquer le pays malgré le soutien de l'Éternel. Les Hébreux marcheront dans le désert encore pendant 40 années, afin qu'aucun de ceux qui étaient sortis d'Égypte n'entre dans la terre promise, hormis Josué et Caleb, les 2 espions favorables à la conquête. Moïse, ayant pour abreuver le peuple hébreu, frappé de son bâton par 2 fois le rocher de Meriba, au lieu de le toucher, n'est pas autorisé à entrer en terre promise. Il est toutefois autorisé à l'embrasser du regard, du haut du mont Nebo, où il meurt à 120 ans. Alors je le rappelle, dès le second livre de la Bible, de la Torah, dans le livre de l'Exode, on nous parle de l'esclavage des Hébreux en terre égyptienne. Pharaon et ses conseillers souhaitent exterminer le peuple juif en le réduisant d'une part à l'esclavage, mais en mettant en œuvre des décrets visant à exterminer les petits garçons. Et donc à ce moment-là, la mère de Moïse le garde. Donc Moïse vit l'expérience de l'enfant caché.
Oui, la Torah dit clairement, Vatitzpeneu, elle le cacha. Alors, là aussi, durant 3 mois, ce sont 3 mois qui sont là aussi quelque peu énigmatiques. Sauf que les rabbins expliquent que Moïse est né à l'âge de 6 mois. Prématuré. Et donc, en fait, les contremaîtres égyptiens et l'armée égyptienne étaient au courant des faits et gestes des mères juives et savaient quand le moment de la conception, le moment de la naissance. Et donc, le miracle, c'est que Yocheved, la mère de Moïse, a donné naissance à Moïse. Elle a accouché au bout de 6 mois de grossesse et donc elle a pu en bénéficier, c'est-à-dire le cacher, lui donner beaucoup d'amour et le garder 3 mois durant. Puis après, elle va construire, confectionner ce berceau. D'ailleurs, en français, on parle de berceau Moïse. Elle l'a mis sur le Nil, elle le met entre les mains de Dieu. Et c'est très intéressant, cette conduite et ce comportement de la mère de Moïse. Elle fait tout pour le sauvegarder, pour lui donner la vie. Elle suit les conseils de sa fille, Myriam, qui va rabibocher, qui va rapprocher les parents, puisque le père disait « tu es pire que Pharaon ». Pharaon met à mort les jeunes mâles, les bébés mâles, mais toi, en te séparant de maman, eh bien, tu ne donnes pas de chance à maman de donner la naissance de fille. Et à ce moment-là, on va voir Yocheved abandonner, pas abandonner, mais mettre entre les mains de Dieu Moïse. – Non mais vous avez raison de forcer le trait en disant abandonner, parce que ça s'apparente à un abandon. Il faut être complètement, je dirais, illuminé pour croire que Dieu va sauver cet enfant. Elle ne fait que confectionner un berceau, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucune nourriture pour cet enfant, pour quelqu'un qui pourrait lui apporter une aide ou du réconfort. Donc c'est carrément le livrer entre les mains de Dieu. Mais pour beaucoup de rabbins, c'est une posture qu'elle adopte, et on verra que le mot « adopter » a une importance pour Moïse. C'est l'enfant caché, c'est l'enfant adopté, mais c'est aussi le fruit de la conjugaison d'attitude et de posture de 3 femmes. Je dis bien 3 femmes parce qu'il y a la maman, Yocheved, mais même la sœur qui se garde, Myriam, garde à distance, mais qui surveille de quoi va être fait l'avenir de cet enfant, qu'est-ce qu'il y adviendra à cet enfant, et puis plus tard, on le verra dans quelques instants, la fille de Pharaon. Donc c'est la conjugaison d'une force d'abnégation, je dirais aussi d'une force, en tout cas pour la maman de Moïse, une force de croyance. Et c'est donc pour les rabbins l'incarnation d'une dévotion qui fait que, voilà, il n'y a pas de fatalisme dans la tradition juive. On va jusqu'au bout, on y croit. Non pas parce qu'on est illuminé et qu'on croit dans les miracles, parce qu'on dit qu'il ne faut pas trop compter sur les miracles, mais parce que parfois, un sursaut humain, une main humaine, une main tendue peut sauver l'humanité, et cette main tendue, parfois, peut déclencher une main divine qui vient d'en haut. Effectivement, ce sont des femmes qui vont sauver le futur libérateur des enfants d'Israël. Et donc, à ce moment-là, la fille de Pharaon, selon la tradition juive, elle s'appelle Bithya, ou Bathia, la fille de Dieu. Elle recueille ce petit Moïse et va l'adopter et va l'élever dans la cour de Pharaon. Alors c'est quand même incroyable que le futur libérateur va être élevé, éduqué, il va grandir dans la maison de ses futurs ennemis. Oui, permettez-moi juste avant de parler du fait que Moïse a grandi dans une cour royale, c'est de rappeler aussi les conditions dans lesquelles la fille de Pharaon a opéré, à réaliser ce sauvetage. Parce qu'en fin de compte, elle prenait un risque énorme. D'abord parce qu'elle n'était pas toute seule. Il y avait ses suivantes qui étaient témoins, qui auraient pu la dénoncer au père despotique qu'était Pharaon. Et en se disant, voilà, je me lave de tout ça, je ne cautionne pas l'autorité scélérate de mon père, et elle défie. Et en défiant ce fleuve, comme par miracle, il y a cet enfant qui apparaît et qui est l'incarnation déjà d'une résistance spirituelle, d'une mère qui n'appartient pas au même bord. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait cette rencontre autour du Nil de 3 femmes qui ne se rencontrent pas vraiment, mais qui sont là, pas loin, c'est-à-dire la mère de Moïse, la sœur de Moïse et cette fille de Pharaon qu'on pourrait qualifier de juste parmi les nations. Et je pense à tous ces paysans, tous ces anonymes, parce qu'il n'y a pas que des intellectuels, il n'y a pas besoin d'être intellectuel pour cacher des juifs pendant la guerre. Tous ces paysans qui souvent n'ont pas reçu la médaille des justes parce qu'ils sont restés dans l'anonymat, mais qui ont eu cette réaction salvatrice, rédemptrice, et qui nous permet de continuer de croire dans l'humanité, eh bien, elle, cette jeune fille, défie l'autorité de son père et tend la main. On peut comprendre que parfois, quand un être humain se dépasse et ensemble révèle des ressources insoupçonnées, eh bien, il y a quelque chose, voilà. Et il ne faut pas oublier que le prénom de Moshe, parce que selon le Talmud, Moïse avait plusieurs prénoms, ce prénom de Moshe a été donné non pas par la mère naturelle, par la mère adoptive, prélevée des eaux,
élevée des eaux. Il y a une forme d'élévation, l'acte d'élévation. Un prénom égyptien. Un prénom égyptien. Et donc c'est bien la preuve que la Torah reconnaît à cette femme une forme d'exception qui confirme cette fameuse foi que nous avons aussi dans l'humanité. Très bien. Donc Moïse grandit au palais de Pharaon, dans le palais de Pharaon, et à un moment, Vayetse el Echav. On voit Moïse, le prince d'Égypte, sortir vers ses frères. En d'autres termes, il quitte sa condition confortable de prince d'Égypte, où tout lui était assuré. On va voir Moïse sortir pour embrasser la condition de ses frères esclaves. Ce qui fait la grandeur de Moïse, c'est qu'il est capable de sortir de sa zone de confort pour pouvoir descendre dans la rue égyptienne. C'est-à-dire, descendre de son piédestal pour aller rejoindre le peuple. Ses frères. On le sait, tout le premier livre de la Torah est traversé par la question de la fraternité. Et Moïse l'assume pleinement. Vayetse el Echav, c'est sortir vers ses frères et embrasser la condition de son peuple. Et là, on va passer... le lendemain, on peut raconter Olivier Kaufmann, lorsqu'il voit deux Hébreux se disputer entre eux, il intervient. Oui, alors là aussi, il y a l'incarnation de l'amour de la justice et de lutter contre les injustices. Donc de voir deux frères hébreux se disputer, ou voir même un policier égyptien frapper un Hébreu à terre, ce sont des choses qui révoltent. Moïse est un rebelle et il est en quête premièrement de fraternité, et il est épris de justice. De justice, il ne supporte pas l'injustice. Oui. Lui qui a été élevé dans le monde de l'injustice, dans le palais de l'injustice, incarné par Pharaon et ses décrets et ses scélérats, eh bien Moïse incarne les valeurs contraires. Oui, alors c'est pourquoi quand on dit le verbe « voir », dans l'exégèse biblique, c'est plus que « voir ». Parce que quand on regarde la traduction de la Bible rabbina, il est écrit « Moïse fut témoin ». Mais témoin, ça laisserait entendre « oui, bon, spectateur ». Non, c'est un spectateur engagé. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain. Et « voir », dans le sens de l'exégèse traditionnelle, c'est faire preuve de discernement pour mieux comprendre. C'est investir le lieu, c'est investir par le regard, c'est fouiller la situation, et vous l'avez dit, carrément chercher, être en quête de pour mieux comprendre ce qui se joue dans la rue égyptienne. Voilà. Et cette notion de fraternité, cette quête de fraternité, c'est comme une résonance de la quête de fraternité quand Joseph va retourner voir ses frères. Mais là, Moïse, ce qui se joue chez lui, c'est la quête de fraternité. Mais je dirais que même au-delà de ses frères et sœurs, il y a une quête en direction de toutes les créatures de Dieu, puisqu'on voit même qu'avec les animaux, il sera entre autres choisi parce qu'il est berger. Justement, parlons-en. Donc Moïse est obligé de quitter la terre égyptienne vers une destination inconnue. Il prend le chemin du désert et on va passer donc du prince d'Égypte maintenant prophète d'Israël. Moïse fuit la terre égyptienne, épouse la fille de Yitro et à ce moment-là, Dieu va se révéler à lui au travers du buisson ardent. Mais il n'est pas arrivé là par hasard, parce qu'il a suivi un petit agneau qui s'était écarté du troupeau. Oui, mais je crois que les deux épisodes que vous relatez ont un lien, parce que cette scène de rencontre avec Séphora et ses sœurs, puisqu'elles sont toutes bergères, c'est quand même incroyable que quand elles reviennent voir leur père, donc le futur beau-père de Moïse, Jéthro, elles ont cette phrase incroyable, « Un homme égyptien nous a sauvés de leurs mains ». Il y a deux éléments de langage qui attire l'attention des rabbins, c'est un homme égyptien, donc il est habillé comme un égyptien, il parle comme un égyptien, et pourtant il est déjà l'incarnation du futur prophète. Libérateur. Voilà. Et puis c'est la notion de sauvetage. C'est-à-dire que déjà, bien avant de sauver le peuple hébreu, il sauve des êtres humains, il sauve cet animal dont vous parlez, et ce qui le rend tout à fait apte à plus tard libérer le peuple d'Israël. Et là, il y a ce fameux passage, toujours dans le Midrash, qui dit que Dieu s'explique avec Moïse en disant « Puisque tu as été capable déjà de laisser tes affaires publiques, quitter ta zone de confort pour rejoindre les enfants d'Israël qui souffrent, maintenant tu es capable d'aller chercher une bête qui ne répond pas à l'appel, tu es maintenant apte à recevoir cette haute fonction de guide et libérateur d'Israël. » Le texte biblique ne raconte rien de la jeunesse de Moïse et le présente adulte quand, notable égyptien, il ressent confusément pour la première fois sa solidarité avec le peuple hébreu. Dans la Torah, Moïse possède un statut unique parmi les hommes. Le texte insiste à de nombreuses reprises sur sa relation privilégiée avec Dieu.
qui ouvre un passage à travers les flots dans un acte créateur. La traversée se fait de l'ouest, qui figure le couchant et la mort, vers l'est, le levant et la vie. Elle symbolise le passage entre la mort et la vie, par lequel Moïse fait accéder son peuple à la liberté. Moïse occupe dans le récit biblique une autre fonction typiquement royale, celle de la fondation du sanctuaire divin dans le désert, qui préfigure peut-être le temple de Jérusalem. Il n'existe aucune trace historique de son existence en dehors de la tradition, le Moïse de la foi étant bien plus connu que le Moïse de l'histoire. La recherche de la fin du XXe siècle considère ainsi généralement que le personnage de Moïse est une figure reconstruite dont le personnage lui-même et la réalité de son histoire échappent à l'historien. Un support d'écriture de la fin du 1er siècle découvert lors d'une campagne de fouilles entre la mer Rouge et le Nil semble apporter le plus ancien témoignage figuré d'une scène biblique, en l'occurrence un portrait naïf de Moïse, se référant à un épisode de l'Exode connu sous le titre de « Vocation de Moïse ». La synagogue de Doura Oropos comporte ainsi plusieurs représentations de Moïse dans les épisodes du buisson ardent. De la sortie d'Égypte, de la réception des tables de la loi. Istanbul revendique posséder plusieurs reliques de Moïse. La colonne de Constantin est supposée incrustée d'une pierre issue du rocher sur lequel frappa Moïse pour faire jaillir de l'eau. La salle des reliques du palais de Topkapi abrite des reliques sacrées, dont le bâton de Moïse. Moïse dépasse les prérogatives des autres prophètes de la Bible dans la mesure où il ne se restreint pas à la transmission du message divin, mais où il interprète. Les expériences de la sortie de l'esclavage d'Égypte, suivies de celles de la traversée du désert et du don de la Torah, sont les fondements du judaïsme. L'émergence du sionisme s'accompagne d'une effervescence artistique juive. Moïse devient la figure tutélaire de cette quête nationale et identitaire dont le cœur est l'idée de renaissance culturelle, spirituelle et territoriale. Moïse est souvent associé à Théodore Herzl, Moïse moderne, considéré comme la réincarnation emblématique du prophète. Les États-Unis développent dès les origines un fort rapport d'identification à Moïse, considéré comme le prophète américain. La figure d'un Moïse libérateur prend une place décisive dans l'imaginaire de la communauté afro-américaine. Les Noirs américains s'identifient à Moïse et à l'Exode pour s'approprier un texte biblique qui leur est imposé par le système esclavagiste. Les écrits de Herzl sont lus avec enthousiasme par les intellectuels noirs au début du XXe siècle. Moïse donne corps à la question noire aux États-Unis. Moïse devient dès lors un personnage familier et tutélaire, véritable héros libérateur auquel se réfèrent les grands. Alors, le buisson ardent, parlons-en. Donc Dieu se révèle à Moïse, se dévoile à Moïse au travers un buisson ardent. Il se consumait sans se consumer. Et donc Dieu parle à travers ce buisson à Moïse. Pourquoi la Torah choisit-elle cette plante pour le premier dévoilement ? Alors, c'est vrai qu'il y aurait plus élégant qu'un buisson pour que Dieu s'y révèle. Et en même temps, c'est une leçon d'humilité. D'abord, Moïse voit le feu, après il voit un ange, et enfin, il discerne la présence de Dieu. C'est cette notion de progressivité dont je parlais tout à l'heure qui montre bien que tout Moïse qu'il est, lui aussi a besoin de temps pour s'adapter à la présence de Dieu et d'ailleurs, pour pouvoir l'appréhender. Et Dieu se dévoile progressivement à Moïse, comme vous l'avez si bien dit, par rapport au feu, à l'ange, et puis après la parole divine, pour ne pas l'effrayer et lui faire peur à Moïse. Et donc, il y avait un très beau midrash qui nous enseigne « Imo anochi betzara ». Je trouve cette idée magnifique. C'est-à-dire que ce petit arbuste, ce buisson qui est ardent, qui représente le peuple d'Israël. Lorsqu'on pense qu'il est fini, qu'il n'existe plus, qu'il a été complètement consumé, il est toujours là, il existe toujours. Et Dieu voulait dire à Moïse, « Imo anochi betzara ». Le fait que le peuple d'Israël, le peuple juif, est en train de subir ce qu'il est en train de subir en terre d'Égypte, je l'accompagne, je suis avec lui. Il n'est pas imaginable, moi, Dieu,
je me dévoile dans un arbre majestueux et extraordinaire. Lorsque le peuple d'Israël souffre, le Dieu d'Israël souffre aussi. Il est vrai que ce passage, avec lui je suis dans la détresse, qui nous invite à ne jamais désespérer en somme, c'est déjà une feuille de route bien difficile à appliquer pour Moïse. En gros, cette mission, elle sera périlleuse parce qu'il faudra du temps pour que les enfants d'Israël prennent confiance dans la parole divine incarnée par Moïse. Et c'est là où on arrive à un point, me semble-t-il, très délicat. Parce que Moïse dit, mais est-ce qu'ils vont vraiment me croire? Est-ce qu'ils vont entendre ma voix? D'ailleurs, Dieu a eu énormément de mal à convaincre Moïse. Convaincre. Rashi explique, c'est ce dévoilement, cette conversation, ce dialogue entre Moïse et Dieu a duré 7 jours, une semaine, pour réussir à convaincre Moïse d'accepter la mission de libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Incroyable. Oui, mais semble-t-il qu'il n'y a pas juste une tentative de Moïse de se dérober, même s'il est vrai qu'il évoque des embarras de langage, un handicap. Il y a autre chose. Il y a une véritable initiation à la pensée divine. Moïse ne connaît pas les desseins divins. Alors, Dieu, somme toute, s'est présenté comme le Dieu de ses ancêtres, et donc il se présente de façon à ce que Moïse soit convaincu. Mais il y a chez Moïse une véritable interrogation. Comment parler de Dieu à des hommes et des femmes qui n'ont pas entendu parler de Dieu depuis tant d'années? D'abord, Dieu pour eux, c'est qui? Quelqu'un qui n'a pas écouté leurs complaintes, qui ne s'est pas manifesté tout de suite. Et quelqu'un qui est dans la souffrance. Tu peux pas lui parler de Dieu. Voilà. Donc c'est un message difficile à percevoir et surtout à retranscrire dans le dialogue qu'il aura avec les enfants d'Israël. Donc c'est compliqué. Et en somme, ce dialogue très long, comme vous l'avez soulevé, il va permettre à Moïse de mieux connaître Dieu et à Dieu de mieux expliquer la responsabilité de Moïse. Il y a un très joli commentaire de Rashi qui explique la longueur de cette conversation entre Moïse et Dieu qui dure 7 jours. Il dit qu'en vérité, Moïse craignait pour l'honneur qui était imparti et destiné à Aaron. Son grand frère Aaron était resté en Égypte. Il était considéré comme le grand du peuple d'Israël et il ne voulait en aucun cas lui prendre sa place. Et donc là, la boucle est bouclée. Tout le premier livre de la Torah, c'est une lutte entre les frères, une lutte fratricide par Caïn et Abel. On va terminer avec Joseph et ses frères. Certes, il y a réconciliation, mais Moïse, lui d'abord, ce qu'il importe en premier lieu et en premier chef, c'est le respect qu'il doit en tant que petit frère à son grand frère Aaron. D'ailleurs, Dieu dit à Moïse, ton frère Aaron vient à ta rencontre et lorsqu'il va te voir, il va être heureux de te voir. Mais ça marche, son cœur va se réjouir. Oui, là encore, ça vient poursuivre, ça vient prolonger ce que vous disiez tout à l'heure, cette quête de fraternité. Je ne peux pas prétendre à la fraternité avec les autres si je ne l'ai pas préservée au sein de mon giron familial. Que Dieu rassure ainsi Moïse en disant, il se réjouira dans son cœur, il sera même ton interprète. Voilà, c'est quelque chose de très fort. Moïse sera accompagné d'Aaron pour négocier avec Pharaon. Et ils vont former un binôme extraordinaire. L'un va s'appuyer sur l'autre et donc les 10 plaies vont s'abattre sur l'Égypte parce que Pharaon refuse de libérer obstinément, il refuse obstinément de libérer les enfants d'Israël. Puis après les 10 plaies, c'est la libération des enfants d'Israël d'Égypte. Moïse défend ardemment la liberté de culte. Et ce dialogue qu'il a avec Pharaon en disant « Laisse-nous au moins 3 jours pour célébrer notre Dieu » et que Pharaon lui réponde « Oui, va avec les hommes » et que Moïse rétorque « Mais non, ce n'est pas la conception que nous avons de la fête, c'est hommes, femmes, enfants, personnes âgées, ça sera tout ou rien. » C'est une belle leçon d'une liberté qui s'installe dans une configuration, je dirais, juridique d'égalité. Nous sommes tous égaux devant les libertés publiques et, en l'occurrence, la liberté de culte. Mais juste avant, il y a l'épisode de la déchirure de la mer d'Éjon, appelée à tort la mer Rouge, qui a tellement marqué positivement le peuple juif qu'aujourd'hui encore, dans notre rituel de prière, tous les matins, nous chantons la Shira, ce fameux chant que les enfants d'Israël ont entonné à la gloire de Dieu. Ils ont vu des miracles exceptionnels. On peut dire que la naissance ou la renaissance
du peuple d'Israël né à ce moment-là. Ce n'est pas pour rien cette homonymie entre la mère qui porte un enfant et la mère d'Éjon. C'est-à-dire qu'il y a une véritable naissance, comme une mère qui expulse son enfant de son ventre pour donner naissance à cet enfant. De la même manière, la mère s'est ouverte pour laisser place aux enfants d'Israël. On peut dire que le peuple juif naît à partir de ce moment-là. Et après, nous avons les pérégrinations, la traversée du désert, avec des péripéties énormes qui pèsent sur la psychologie de Moïse, sur son moral. C'est lourd à porter. Et cet homme-là va s'offrir, si je peux m'exprimer ainsi, au public et à la communauté, à tel point qu'il va se séparer de son épouse et de ses enfants pour être en contact permanent avec Dieu. Et c'est de là que Maïmonide nous dit que c'était le roi des prophètes d'Israël. C'est-à-dire qu'il parlait, il est entré en conversation à n'importe quel moment de la journée, panim el panim, c'est-à-dire comme un ami parle avec son prochain, face à face. Moïse avait cette capacité. Et on s'apprête à recevoir la Torah. Hein, les 40 jours et 40 nuits, Moïse va monter sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, c'est-à-dire les lettres de noblesse du peuple d'Israël, ses droits, mais aussi ses devoirs, du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu et des devoirs et des droits de Dieu vis-à-vis du peuple juif. Vous avez raison de m'avoir repris, j'étais allé trop vite en besogne. C'est vrai que passer de la sortie d'Égypte au mont Sinaï avec la Torah, c'était oublier l'événement fondateur de la traversée de la mer Rouge qui est le véritable parachèvement de la sortie. Ils sont vraiment sortis, je dirais mentalement parlant, d'Égypte avec la mer Rouge. Et c'est vrai que le mot traversée n'est pas la traduction la plus proche du texte hébraïque, parce qu'en fin de compte, Kriyat Yamsouf, c'est la déchirure de la matrice. Donc là, on peut parler de naissance ou de renaissance. Et pour revenir à cette loi de la Torah, là, je reviens encore une fois sur un des qualificatifs que j'avais abordé avec vous il y a quelques instants, c'est Moïse le pédagogue, Moïse l'enseignant. C'est-à-dire que la montagne du Sinaï, nous, on garde l'image d'un Moïse qui est avec les tables de la loi, mais imaginez un Moïse qui se contente de livrer à la figure des enfants d'Israël, pardonne-moi l'expression, les tables de la loi, c'est faire peu cas de l'interprétation, des règles d'interprétation. Si on lit la Bible en français littéralement, pardonnez-moi, on aurait abouti à des réactions un peu violentes de la part de la part de certains. Je donne toujours l'exemple de œil pour œil, dent pour dent, qualifié de loi du Talion. Bien évidemment que heureusement qu'on a besoin du Talmud, de la tradition orale qui a été retranscrite par écrit, expliquer les textes. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est pas apprendre à la lettre. Donc une lecture littéraliste aurait été l'écueil dans lequel nous aurions pu tomber s'il n'y avait pas eu Moïse pour transmettre oralement les règles d'interprétation, parce que œil pour œil, dent pour dent, c'était déjà, ça préfigurait le concept juridique de dommage et intérêt. Donc on a un Moïse qui va faire du porte-à-porte, qui va aller, comme vous le dites, visage contre visage avec Dieu, mais aussi avec les uns et les autres. C'est un homme qui reste accessible. C'est pour ça que ça m'a toujours marqué, à travers les siècles, comment on a représenté Moïse, toujours avec des traits sévères. Mais si on lit bien le texte de la Torah, il incarnait en aucune façon, en aucune manière, cet homme d'une sévérité, de rigueur, etc. Moïse, il faisait partie du peuple. S'il avait été sévère, il n'aurait pas pu supporter autant de rébellions. Tout à fait. Les tableaux et sculptures montrant les différentes étapes de la vie de Moïse sont extrêmement nombreux et variés. Dès l'Antiquité, malgré l'interdiction du deuxième commandement, « Tu ne feras pas d'image », Moïse est le prophète le plus fréquemment représenté dans l'iconographie biblique. L'une des représentations les plus connues de Moïse est la sculpture de Michel-Ange datant de 1515 dans la basilique de Saint-Pierre aux Liens de Rome. Cette œuvre a fait l'objet d'une analyse par Sigmund Freud. Pourquoi la statue représente-t-elle Moïse portant des cornes, tout comme celle de la fontaine de Moïse, également à Rome ? Commandée par différents papes et respecte le choix éditorial de la Vulgate, traduction officielle de l'Église catholique jusqu'au XXe siècle. Pour la Vulgate, version latine de la Bible, réalisée au IVe siècle par Saint Jérôme, Moïse devient curieusement cornu. Pourtant entouré de docteurs juifs pour sa traduction de l'Ancien Testament, Saint Jérôme aurait été trompé par la proximité phonétique des mots « Karan » rayonnant et « Karen » cornu. Pour certains commentateurs, Saint Jérôme aurait voulu intentionnellement relier ces deux mots pour exprimer à la fois le rayonnement du visage et la puissance de la corne. Déjà Rachid III,
éminent commentateur de la Bible au XIe siècle, explique l'utilisation de la même racine de ces deux mots par le fait que la lumière brille et ressort telle une corne. Les autres traductions, aussi bien juives que chrétiennes, parlent de peau rayonnante, resplendissante. La Septante, par exemple, traduction en grec de la Bible datant du IIIe siècle avant notre ère, parle de peau chargée de gloire. Ce sont des rayons qui apparaissent sur le tableau de Ribera et dans de nombreuses autres œuvres. Mais certains estiment que la traduction de la Vulgate est la bonne, les cornes symbolisant selon eux la force d'un dieu ou d'un roi qui le représente, et que les cornes de Moïse expriment son statut particulier de médiateur, sa proximité inégalée avec Dieu. Dans la Bible hébraïque, cependant, les cornes ne sont jamais des attributs divins, mais sont toujours associées à l'animalité. Quant à Moïse, il reste un homme. La Bible insiste sans cesse sur l'homme Moïse. La statue de Moïse devait faire partie du tombeau que le pape Jules II avait commandé à Michel-Ange. Du grandiose et du même démesuré projet initial de 1505, il ne sera réalisé que l'actuel cénotaphe. Seul le colossal Moïse de 2,35 m est de la main de Michel-Ange. Les autres statues, à l'état d'ébauche, seront terminées par d'autres sculpteurs. Michel-Ange identifie Jules II à Moïse lui-même, c'est-à-dire à un père fondateur. Jules II était lui aussi un homme d'action et son objectif était clair. Il avait en vue l'unification de l'Italie sous la domination de la papauté. Le Moïse de Michel-Ange est présenté assis, tenant sous son bras droit les tables de la loi, tandis qu'il touche nerveusement sa barbe audoyante. Ces tables curieusement fermées pourraient être celles réécrites par Dieu et non les premières, car dans ce cas, Moïse aurait été classiquement représenté debout, les jetant à terre. Selon Freud, le Moïse de Michel-Ange n'est plus le personnage biblique prêt à jeter les tables de la loi sur son peuple désobéissant. Le geste de Moïse de Michel-Ange est au contraire de maîtriser sa colère dans une attitude non conforme au texte sacré, dans une auguste tranquillité. La tête tournée vers la gauche, il regarde d'un air courroucé, sans doute allusion à la faute du veau d'or. Les bras y sont musclés, les veines très apparentes, tandis que les jambes sont couvertes, laissant apparaître la jambe droite bien à plat sur le sol. Le pied gauche est plié, comme si Moïse allait s'y appuyer pour se relever. Mais ce Moïse reste assis là, indéfiniment, et dans une colère éternelle. Il a surmonté la tentation, il va désormais rester assis, ainsi, en proie à une fureur domptée, à une douleur mêlée de mépris. Il ne jettera pas les tables afin qu'elles se fracassent contre la pierre, car c'est justement à cause d'elles qu'il a étouffé sa colère. C'est pour les sauver qu'il a maîtrisé sa passion. Il y a un épisode très important, me semble-t-il, qui semble décrire à merveille la personnalité de Moïse. C'est le veau d'or. Les enfants, Moïse monte sur la montagne pour recevoir la Torah, il reste 40 jours et 40 nuits. Les enfants d'Israël sont impatients, on parle d'impatience aujourd'hui encore, hein. On fait tout et n'importe quoi au nom de l'impatience. Alors que la Torah fait tantôt l'éloge de la lenteur, oui. Bon, là Moïse est en retard. D'accord. Donc c'est assez amusant de voir que dans une vie où tout va très vite, où, alors je ne dis pas que je ne suis pas en train de faire l'apologie du retard, mais on voit bien que parfois notre relation au temps, n'en déplaise à certains, doit être quelque peu revisitée pour mieux appréhender des événements qui sont extraordinaires. Oui. Donc Moïse arrive en retard, les enfants d'Israël confectionnent un veau d'or, Dieu décide d'exterminer le peuple juif, et là, Moïse prend la casquette du procureur, et va protéger, défendre coûte que coûte les enfants d'Israël, quand bien même ils sont totalement fautifs. Je ne sais pas s'il y a vraiment une accusation ou une défense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Moïse négocie un peu à l'instar d'Abraham qui avait négocié
une cause indéfendable, en plus, la ville de Sodome et Gomorre. Là, on a un Moïse qui dit « Si tu veux effacer le peuple d'Israël, efface-moi de ton livre. Mais je ne vois pas l'utilité de refaire un peuple à partir de moi sous prétexte qu'il y a eu la faute du veau d'or. » Donc là, rappelons-nous quand même que quand Moïse redescend avec les nouvelles tables de la loi, c'est le jour de Kippour. Donc pour les enfants d'Israël, c'est une innovation sur le plan théologique. Non, vous n'êtes pas condamné par votre passé. Ce n'est pas parce que vous avez fauté, c'est pour ça que je n'aime pas tellement le mot de péché. Il n'y a pas de péché originel dans la tradition juive. Ni avec Adam et Ève, ni avec le veau d'or. C'est toujours tendre la main, cette fameuse main tendue. Oui. Voilà, cette capacité à, encore une fois, reconstruire. Toujours, tout à fait. C'est-à-dire tout le récit de la création, toute la Bible est inscrite dans cet enseignement binaire, à savoir Dieu crée le monde puis le détruit, et c'est la deuxième construction du monde, création du monde qui continue à exister aujourd'hui. Puis le don de la Torah, la même chose, il y a les premières tables de la loi qui sont brisées, cassées, puis après les deuxièmes sont éternelles. On n'est pas parfait, on ne réussit pas tout du premier coup. Oui, il n'y a pas de concept d'infaillibilité, il est évident que là, tant du côté de Moïse, et je dirais, oui, du côté d'Israël, il y a ce droit à la faille, ce droit à l'erreur. Et c'est vrai que lorsque on a ce dialogue assez incroyable, on dirait même un dialogue de parents, Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple qui s'est corrompu. Voilà. Et toi, tu es en haut. Et Moïse accuse Dieu en lui disant, mais c'est de ta faute. Lorsque les enfants d'Israël sortis d'Égypte, sortis avec des richesses incroyables, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire avec toute cette or dans le désert, si ce n'est construire un veau d'or? Donc tu es responsable. Indirectement, mais responsable. Oui, mais là, on a un Moïse qui réagit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non pas de manière aussi impulsive et violente. C'est vrai qu'on a toujours cette image de Moïse qui lâche. Mmh. Certains disent même qu'il brise. Bon, il a jeté l'étape de la loi. C'est écrit, Vayeshler. Oui, mais en même temps, les rabbins s'interrogent, parce que Dieu l'avait préparé psychologiquement à cette idée. Donc, par quoi il est choqué? Et ce n'est pas tant par la confection du veau d'or. Et ça revient à votre idée que les enfants d'Israël n'ont pas dit « voici ton Dieu », ils ont dit « voici tes dieux ». Ce qui provoque la brisure des tables de la loi, c'est cette manière de se livrer à une forme de danse frénétique. Ce sont les danses qui sont autour du veau d'or et qui interpellent Moïse. – La débauche. Oui, il y a aussi accompagné de débauche. Mais c'est le meurtre. Tout était réuni, voilà, c'est un cocktail qui était insupportable. – Il y a un lâcher-prise qui échappe à l'entendement de Moïse. J'aimerais juste dire un petit mot sur la personnalité de Moïse, qui est décrit comme l'homme le plus humble, le plus modeste de la terre, Anav Mikol Adam, et bien évidemment sa disparition, puisqu'on ne connaît pas le lieu de sa sépulture, et il ne va pas accéder à ses rêves. Dieu va interdire l'accès de Moïse à la terre d'Israël. Chez Moïse, il y a quelque chose qui pourrait nous faire penser qu'il est en dehors du temps. Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas où il est enterré et on ne veut pas surtout déifier Moïse. Et ce qui expliquerait pourquoi, selon certains commentaires, il ne pouvait pas entrer en terre d'Israël. Et Moïse était dans une forme de spiritualité qui a fait même que quand on regarde l'épisode des 12 explorateurs qui sont envoyés par Moïse en terre d'Israël, 10 qui sont quand même des notables, des princes d'Israël, qui sont tous des justes, ne veulent pas entrer en terre d'Israël. Et sont prêts même à diffamer sur la terre d'Israël. Comme pour dire un peu ce qu'on pourrait imaginer à propos de Moïse, c'est qu'on préfère rester dans un univers qui dépasse, qui est au-dessus de la nature, qui est spirituel, plutôt que rejoindre la triste réalité du travail de la terre. Et en somme, Moïse, selon certains commentaires, n'aurait pas pu supporter la terre d'Israël avec une réalité propriété foncière, travail de la terre, construire une société juste, tout ça, c'était pas vraiment... Mais il restait profondément humain, oui. Même s'il était extrêmement proche du divin. Je voulais vous remercier, Monsieur le grand-maire Olivier Kaufmann. Merci de l'ensemble, de la richesse de vos commentaires sur la personnalité de Moïse, notre maître. Je vous remercie, mes chers amis, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. À très bientôt.